L'Ordre des chimistes du Québec souhaite qu'on ait des tests de détection de la drogue du viol plus fiables. On parle ici de tests auto-administrés. Pour comprendre cette demande et ce que ça peut dire, ce que ça voudrait dire pour les victimes, on reçoit le président de cet ordre, Michel Alsaillé. Bonjour, M. Alsaillé. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avant d'entrer dans le sujet des tests eux-mêmes, c'est quoi exactement le GHB, aussi appelé la drogue du viol? Dans quel contexte ça peut être utilisé? Eh bien, le GHB, c'est une, bien sûr une molécule qui a été inventée, ça fait quand même un bon bout de temps. Cependant, depuis quelques années, on voit une recrudescence du fait que ce produit liquide, incolore, est utilisé à des fins qui peuvent être un peu viles, c'est-à-dire dans les bars, utilisé à mauvais escient, qui fait en sorte que on va en donner ou en mettre quelques gouttes dans un liquide. Ça peut être un verre d'alcool qu'une jeune dame ou qu'un jeune monsieur est en train de boire. Ça va faire en sorte que celui ou celle qui va l'ingérer va avoir un feeling comme si vous étiez très, très avancé au niveau de l'alcool. Alors, ça fait ce sentiment-là. Donc, de là aussi, une difficulté, c'est qu'on ne sait pas si c'est parce que j'ai trop bu, j'étais peut-être fatigué, j'ai peut-être bu trop vite. Alors, on se pose ces premières questions-là. Puis le temps de la poser, si on se la pose trop longtemps, bien malheureusement, bien là, on se rend compte que on a cette drogue dans notre sang, bien sûr, le GHB. À partir de là, l'effet fait aussi en sorte que quelqu'un peut vous inviter à aller à un endroit X, puis bien sûr abuser de la situation et faire en sorte que vous allez aussi avoir ce qu'on appelle un blackout souvent. Qui fait en sorte que vous ne vous souviendrez pas ce qui est arrivé, ni où vous étiez. Ça peut laisser place à malheureusement, des abus. Et là, ce que l'Ordre des chimistes demande, c'est des tests auto-administrés plus fiables. Est-ce que ça veut dire que ce qui est sur le marché en ce moment, ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas dire que ça fonctionne. Vous savez, quand on parle de chimie, quand on parle d'analyse, on a besoin de quelque chose qui est fiable. On a besoin d'avoir un sentiment réel de sécurité. C'est-à-dire que quand c'est positif, puis ça a été analysé, on le sait, ou négatif, bien sûr. Présentement, les tests qui sont sur le marché ne sont pas trop fiables. Et puis, en plus, il y a eu toutes sortes dernièrement des buvards et d'autres petits systèmes de par exemple, un sous-verre qui pouvait analyser votre liquide pour voir s'il y avait du GHB dedans. Alors là, il faut faire attention parce que, bon, dépendant de la manipulation du fameux sous-verre, est-ce qu'il y a eu d'autres liquides dessus? Qu'est-ce qu'il y en a? Donc, il y a beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Mais on ne parle pas de tests administrés dans des hôpitaux. Non, dans les hôpitaux, c'est fait souvent par des microbiologistes ou des technologistes médicaux. Ces personnes-là sont très qualifiées pour faire le test, mais on parle plus ici de tests auto-administrés. Là, les tests qu'on peut acheter en ligne, c'est plus de ces tests dont on parle. OK. Puis c'est ça que vous dites que, je ne sais pas, est-ce qu'on a une proportion, là, dans 50 % c'est des faux positifs ou des faux négatifs? Il n'y a pas eu de longues études là-dessus qui ont été faites parce que les probabilités d'avoir l'échantillon, de faire en sorte, de l'instrument d'analyse, exemple, vous le laissez dans votre auto pendant 2 mois, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il va être encore fiable? Vous l'avez. Alors, c'est là où est-ce qu'on a beaucoup, beaucoup d'interrogations. Donc, là, ce qu'on va nous proposer, c'est tout simplement la sécurité, de faire attention. Quand vous allez sortir dans les bars, toujours garder votre œil sur votre verre d'alcool ou ce que vous buvez. C'est certain que c'est pas ça. On veut aussi aller dans des endroits entourés de personnes en qui on a confiance, avec qui on peut prendre un verre sans avoir nécessairement toujours le voir. Mais là, bon, toujours être accompagné, toujours ne jamais être seul. C'est certain qu'il y a beaucoup, beaucoup de directives à ce niveau-là qu'on recommande, des directives de prévention. Mais en terminant, ça pourrait être possible d'avoir des tests bon marché, auto-administrés, plus fiables. Vous dites, on peut faire partie de la solution. Ah, ça peut exister, puis ça va exister, c'est certain. Nous, ce qu'on demande, c'est que ça soit bien encadré au niveau des analyses, au niveau de la façon de le faire. Ça existe pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres domaines, dont le domaine de l'eau, par exemple. C'est pour ça que
vous allez avoir peut-être un scoop. Là, on va sortir publiquement pour dire au monde de faire attention, entre autres pour l'eau, ceux qui viennent vous vendre des systèmes d'eau à la maison, qui analysent un petit peu n'importe quoi, qui ont de l'air des chimistes ou des pseudo-chimistes. Oui. Bien, regardez, faites attention aussi. Donc, au même titre, on fait attention avec le GHB ou les types d'analyses pour le GHB. On vit dans un monde très mercantile. Beaucoup de monde vont vous vendre beaucoup de choses disant que c'est la solution. Mais dans le fond, c'est celle qui va être la meilleure, c'est celle où on sait qu'il y a eu des scientifiques qui sont penchés sur ça, qui sont membres d'un ordre professionnel, qui sont imputables de ce qu'ils vont mettre sur le marché. Et vous dire que oui, ce test-là fonctionne, et voici les fameuses balises. Vous devez le garder en telle température, dans telle condition, etc. Donc, c'est certain qu'il va y avoir des dispositions pour s'assurer que ce fameux test soit non seulement être sûr de la façon dont on va le mettre en place, la mise en marché, etc. Pas nous, quand je dis nous, c'est pas. Bien sûr, c'est pas l'homme. Non, ensuite, le côté. C'est la communauté. Comment l'imposer, comment l'utiliser, etc. Michel Alsayer, très intéressant. Je rappelle que vous êtes président de l'Ordre des chimistes du Québec. Merci pour votre temps ce matin et vous reviendrez nous voir pour nous discuter des tests de l'eau. Avec grand plaisir. Merci.